Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment modifier les options de démarrage de votre téléviseur Samsung. Lorsque vous démarrez votre téléviseur Samsung, il va démarrer par défaut sur cette page d'accueil. Pour modifier la façon dont démarre votre téléviseur, vous allez aller dans les menus paramètres. Vous allez descendre jusqu'à Général et Confidentialité. Et là, vous allez descendre jusqu'à Options de l'écran de démarrage. La première option, démarrer avec l'écran d'accueil Smart Hub, c'est celui qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'il démarre sur la page classique, la page par défaut. Si vous décochez cette case et que vous décochez aussi celle-ci, le téléviseur va démarrer directement sur la dernière source que vous avez utilisée. C'est-à-dire que si vous étiez en TNT, il va redémarrer en TNT. Et si vous étiez en HDMI, pareil. Si vous voulez utiliser uniquement les applications, c'est-à-dire que là, il va redémarrer sur l'application que vous avez utilisée en dernier, il va redémarrer directement dessus. Et ici, ce sont des options pour le multiview dans le cas où votre téléphone est compatible pour le partage d'écran. Lorsque vous avez décoché toutes les options, le téléviseur va redémarrer sur la dernière source que vous utilisiez. Par exemple, là, moi, je suis sur une chaîne de la TNT. Si j'éteins mon téléviseur et que je le rallume, il va redémarrer sur la même chaîne. Je n'ai pas eu l'écran par défaut. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus de tutos.